Swear that I've been running out of patience. Hop up and I blast off in that spaceship. Keep that 40 on me, that bitch stainless. Fucking willow, probably leave you brainless. Sachez que les habitants de Misty Meadow cachent bien leur jeu. Ah, il y a des beaux infos quand même à la télé là. Dis donc. Bon, moi je vais aller visiter mon petit village. Waouh, elle est trop belle la maison. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Oui, ça va bien, ça va bien. Vous visitez le village? Oui. Vous pouvez me dire où est le stand? Le stand? Oui. Stand de quoi? Là, il y a un petit supermarché, là. Oui, ok. Qui est ouvert 24h sur 24. Bon, là, il fait une petite pause déjeuner. Hein. Mm. Il mange son petit déjeuner. Là, c'est la maison de Richard. Oui. Ici, là. C'est moi, oui. Donc, bon. Ah bon, c'est vous? Oui, c'est moi, Richard. Ah, ok. Un autre stand. Donc, je crois pas qu'il y en a. Autrement, il y a des petits carbets, là, ici, là. Je vais vous montrer. Je vous suis, je vous suis. Il y a un petit truc où vous pouvez manger si vous n'avez pas de table chez vous. Il y a un truc de disponible ici. Ça, le camping-car, il faut pas passer super près. Dégage ! Il vient vers vous, il te crie dessus, tu vois, il va te crier dessus toute ta vie. Les gens, là, ils sont pas très gentils. Ouais. Là, c'est un petit restaurant où il y a un petit peu de monde qui vient. Donc, venez, je vais vous faire rentrer. Voilà. Donc, c'est un étage. Hein. Oh, voilà. Il y a le petit monsieur d'habitude, il est là. Là, il y a la cuisine. Ça. Et du coup, là, tu rentres. Voilà. D'accord. Donc, après. Donc, voilà, le village. On l'appelle Misty Meadow, le village. Misty Meadow, je retiens. Donc, vous avez ça aussi, là. Si. C'est une petite maison, oui. Bon. Ouais, où tu fais réparer des choses et tout ça. Comment voilà. Hein. Bon, monsieur, je pense que je vais aller demander à l'employeur du stand s'il peut m'employer. Sur ce, à demain. Ouais, à demain. Bonne journée. Le petit Richard fait sa formation, mais il ne sait pas ce qu'il va arriver. Bien dormi. Bon, moi je vais aller voir mon employeur là. Je veux vraiment avoir quelque chose dans cette ville. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, je vais bien et vous? Oh, ça va bien, mais on s'est déjà vu, c'était hier. Mais oui, c'est vous qui m'avez fait visiter la ville, je me ressouviens. Oui, c'est vous. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Je viens ici pour me faire employer. Est-ce que je peux me faire employer du coup? Ah ouais, il faudrait juste aller autre part. Je règle juste quelque chose. Non, restez là-bas, s'il vous plaît. Ouais, merci. Ok, c'est bon. Donc, venez. Sortez, là. Je viens, je vous suis, monsieur. Donc, on va aller dans ma maison. Juste ici. La grande maison, là. La grande maison, d'accord. Ouais, ah oui, c'est celle que j'aimais tant. Donc, venez là-haut. Asseyez-vous. Hein. Donc, alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, je voudrais être employé dans votre stand pour vendre des frites. Ah, des frites. Alors, des frites. Nous, on ne voit pas des frites. Nous, c'est un boucher. C'est un boucher? C'est un boucher, oui. D'accord. Donc, on vend tout ce qui est steak et tout ça. D'accord. Alors je vais être employé dans mon stand. Est-ce que c'est possible? Ok, oui, y a pas de problème. Je vous dis peut-être ma formation. Ouais, allez-y. Alors en fait, j'ai fait une petite formation en tant que boucher. Et j'ai passé mon bac plus 2. Et j'aimerais être employé en CDI. Est-ce que c'est possible? Oui, y a pas de problème.
ce qu'il faudrait faire, venez. Je vous suis. On va pas sortir par là. Hein. Hop, alors on va aller juste ici. Donc là, vous allez prendre des trucs là, pour vous nourrir juste pour la journée. D'accord. C'est gratuit. Hein. Merci. Voilà. Donc, vous me dites quand c'est bon et vous sortez. Ouais, je vais vous dire à demain pour le nouveau pour mon nouveau emploi. Métier. Ouais, métier, ouais. Sur ce, à demain. Il est embauché et en plus, il va faire sa formation. J'ai bien dormi, dis donc. Bon, je vais aller faire ma nouvelle formation de boucher. Il y a quelqu'un ? Oui, il y a quelqu'un, j'arrive. Quelques petites secondes et voilà, c'est bon. Alors, comment allez-vous, monsieur ? Je vais bien. Je vois que vous êtes changé, dis donc. Ouais, c'est qu'en fait, j'ai deux habits de chaque fois, donc voilà. Et du coup, je me teinte les cheveux, je fais tout ça en une nuit, donc voilà. Donc, vous allez bien ? Donc, oui, je vais bien. Et vous ? Ça va bien, ça va bien. Donc, ce que je vais vous apprendre, c'est que là, déjà, il y a tout ce que vous pouvez manger à chaque jour. Il y a des canettes, il y a des Pringles, il y a tout ça. Donc, du coup, quand il y a une personne qui arrive, ce que vous allez faire, vous allez passer devant. Vous allez, il va vous montrer ce que vous voulez et vous lui donnez. D'accord. Donc voilà. D'accord. Je m'entraîne un petit peu. Sur ce, à demain. Ouais, à demain. Le temps fut très long pour Richard. Il avait hâte. Ah, quelle belle journée. J'espère que des clients vont arriver, quand même. Ce serait dommage. Il est quelle heure ? Il est 8 heures. On devrait aller voir chez le marché. Parce que le marché ouvre à 8 heures. Donc, c'est parti. Ah, on avait juste de regarder un truc. Ce qu'on avait à manger. Au moment où j'étais caché. 4 parts de steak. Bonjour. Alors, moi j'aimerais bien acheter du steak haché. Du steak haché ? Je vous donne ça. Ici, regardez monsieur. Merci. Et ça va vous coûter combien ? Ça va vous coûter 10 francs. Ok. Je vais vous donner ça tout de suite. 10 euros, hein. Merci. De rien, à la prochaine. À la prochaine. Bonjour monsieur. Alors, juste pour vous demander, parce que je connais pas trop de monde ici. Donc, vous êtes Richard ? Oui, c'est moi Richard. Oui, c'est moi Richard. Ah bon ? C'est moi. Non, c'est moi Richard. Mais pourquoi vous m'avez tapé ? Je suis désolée, j'en ai pas fait exprès. Le village ? Oui, donc demain matin, on pourrait se redonner rendez-vous ici. Vous voulez me faire montrer le village, s'il vous plaît ? Oui, sans... Et ben maintenant, il a de l'empathie. Vraiment ?
Ah, enfin je me suis acheté un lit. C'est pratique quand même les lits, au moins on peut dormir dessus. Bon, moi j'ai envie de faire mon petit caca. Ah, ça pue! Ah, c'est bon. Je vais rejoindre mon nouvel arrivant. Ah, il est quelle heure? Ah, il est 8h déjà. Bon, moi, je me suis levée tard. Je veux juste que je boive tout ce que j'ai. Bah, mon petit déjeuner. Tout ça, d'abord, on va juste aller au soleil pareil. Comme tous les jours. Ah, c'est de bien. Bon, maintenant, je vais aller en bas pour prendre mon petit déj. Dis donc, il met du temps. Ah, voilà. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ah, ça va. Donc, voilà, je suis venue sur la mer encore. Donc, qu'est-ce que vous allez me faire visiter? Alors, bah, suivez-moi, je vais vous montrer. Alors, ici, c'est ma maison, oui. Bon, je veux... regardez pas à l'intérieur, il y a des choses assez intimes quand même. Rigolez pas, c'est pas drôle. Il y a vraiment des choses intimes. Venez, suivez-moi, je suis là. Voilà, vous me suivez? Alors ici, il y a un petit espace pour manger, comme ça, tranquille, c'est chill. Alors après, là, écartez-vous, faites gaffe aux petits trucs, là. Ouais, parce qu'il y a des gens qui sont pas très gentils. J'aimerais pas qu'ils existent. Bon, bref. Là-bas. Oh, y a des gens, ils ont des trucs là. Monsieur, venez. Enfin, madame, venez. Ici. Là, c'est un petit endroit, un petit bar. C'est tranquille, tout ça. Oui, ouais. Vous voyez? Suivez-moi, venez. Vous venez, monsieur? Alors, on va traverser le pont. Si vous voulez, il y a une très belle vue ici. Je trouve que c'est assez beau, ça mène vers un étang. À l'étang là-bas. À l'étang, oui, si vous voulez. D'accord. Si vous voulez, là-bas, il y a de la... vous pouvez faire de la pêche. Allez, suivez-moi. Ici, c'est ma petite boucherie, je pense que vous connaissez. Avec un caca lancé, attention! Ils sont énervés, les braqueurs, là. Ils sont tout le temps du grenade, ça t'éveille, bah, casse-toi, ils sont tous là. Alors, bah là, c'est chez monsieur Hamel. Alors, monsieur Hamel, il a ouvert son petit restaurant, voilà. Vous voyez ce qu'il y a à la carte. Si vous avez faim, c'est le loup royal. Le glou royal, voilà. C'est son nom. Steak haché frites, ouais. En plus, c'est de la viande pure bœuf qui vient de chez moi, d'accord? Et alors, c'est voilà, il y a des étages, c'est tranquille. Vous descendez, monsieur? Et puis, il y a plusieurs endroits, je vous laisserai visiter. Donc du coup, vous voulez avoir un emploi, c'est ça? Moi, j'aimerais bien être embauchée et tout ça, mais souvent, on me dit qu'il n'y a pas beaucoup de place pour travailler. Les gens, ils ne sont pas beaucoup, parce que c'est un petit village, tout ça, et donc, ils me disent ça, voilà. Mais aussi, le monsieur, là, qui habite juste ici. Vous habitez où? Ah oui, je connais ça. C'est
C'est une personne qui m'a fait visiter le village. Mais moi, avant, je voyais souvent partir vers la même supérette. Oui, c'est normal. C'était un ami. Mais là, il a quitté le village, d'accord ? Bon, du coup, je vais vous dire à demain pour votre formation, d'accord ? Ouais, à demain. À demain. Je crois que c'est la fin pour Richard. Ah, je me balade dans ma petite ville là. Faut faire gaffe à eux là. Petit-déj là. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites de passer tout près de ma maison là? Mais je fais rien, monsieur. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des armes? Qu'est-ce que vous... Je vais vous suivre jusqu'à votre mort. Mais qu'est-ce que vous avez? Je vous ai rien fait, monsieur. Lâchez-moi. Mais non, s'il vous plaît, monsieur! J'ai rien fait, je veux vivre! Je veux rien faire, monsieur! S'il vous plaît! Il est où, ce gamin? Vous êtes où, monsieur? Je suis caché. Vous avez des grenades, mon pote. T'es où? Je suis caché. Non, me tuez pas, s'il vous plaît! Restez ici, autrement vous êtes mort. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Donnez-moi tout votre argent, comment vous tire dessus. Tenez. Allez, donnez-moi tout votre argent. Tenez. Vous voulez que je vous mette une patate? Non. Non, monsieur, s'il vous plaît. Donnez tout votre argent, Timon. Allez, bon mollet. Tenez. Si vous appelez la police, vous êtes mort. Ok. D'accord, et d'accord. Vous appelez mon pote. Oui, oui. Ma pote, la dame qui vous a laissé présenter. Oh. Quand vous êtes arrivé, c'est elle qui vous a donné ce poste. Et c'est un poste où vous pouvez tout le temps mourir. Ok, donc faites gaffe tout de suite. Je fais gaffe. Ok, hein. Allô la police. Oh. Oui, j'ai une personne là qui veut m'assassiner. S'il vous plaît, sauvez-moi. La police, non. Bon, je pense que vous l'avez compris, les gars. C'était un petit court-métrage. J'espère qu'il vous a plu. Sur ce, abonnez-vous, lâchez un like et n'oubliez pas d'activer la cloche. Bye. In my name, we don't like what you say. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit.